Comme ça, du coup je suis en short et tout, donc pour l'instant je pense qu'il va faire un peu frais, mais après il fera chaud parce qu'ils annoncent genre 30 toute la semaine, donc je me suis dit en sortant à 14h30 il risque de faire chaud et j'aille à une ville et tout pour changer mon maillot. Bon, voilà arrivé, il est quelle heure? Il est 6h11, donc ça va, je prends dans 15 minutes, enfin dans 14 minutes. Donc je vais vous laisser, let's go, c'est parti. Je vous avoue que j'aurais bien voulu dormir un peu plus, pourtant je me suis couchée assez tôt, mais je suis vraiment fatiguée. Voilà, donc ça va, je suis que 2 jours de matin. Enfin j'adore le matin parce que tu finis à 14h30 quoi. Mais au niveau de la fatigue, c'est assez fatigant, voilà. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Heureux. Bon, je reviens. J'ai fini ma journée, ça s'est bien passé comme d'hab. Juste demain, ça va être un peu plus compliqué parce qu'en fait, j'ai dans le service, il y a plusieurs secteurs, on va dire. Et demain, je vais devoir changer juste pour une journée. Donc, bof. C'est pas cool quand tu connais pas trop les gens. Et j'ai retrouvé en fait mes lunettes de soleil de Veuse. J'étais... Ah, elles sont bouillantes. Ah, ça m'a cramé le nez. Ah, c'est très très chaud. Elles étaient juste dans la boîte à gants en fait. Voilà, super. C'est très bien les sièges noirs dans les voitures, mais je crève là, il fait tellement chaud. J'ouvre les fenêtres et là direction Château Farine, il faut que j'aille échanger. Il est là. Oui, ce matin j'ai mis de l'air chaud, j'avais tellement froid je vous jure. Mais là je vais éteindre, je vais juste ouvrir les fenêtres. Oui, donc il faut que j'aille à Château Farine pour échanger mon maillot de bandy. J'espère que ça va marcher. Voilà, pour l'échanger parce qu'il est vraiment... Je te tais. Ok, d'accord, elle veut pas. Oui, c'est celui-ci et ça. Le triangle est beaucoup trop petit. Voilà, ça ne va pas pour moi. Je vous montrerai. Je reçois tous les mois du coup une carte cadeau de chez Undy. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. Je ne le précise pas forcément à chaque fois, mais voilà, je le redis. Et il m'a envoyé un maillot de bain, donc je ne l'ai pas encore essayé. J'espère qu'il me va, mais en tout cas, il est trop beau. Je vous montrerai ça. Donc la direction, ça. Et je vais passer vite fait aussi au casino de Château Farine pour acheter quelques petits trucs, genre des bananes. Vu que là j'ai été le matin, donc normalement quand je suis le matin je me fais pas de bol cake le matin. Vu qu'on déchaîne dans le service, je mange juste un petit truc vite fait. Voilà, je sais pas ce qu'il y a d'autre, j'ai pas pensé à regarder ce qu'il fallait d'autre, donc je vais prendre quelques petits trucs. Et je vais regarder pour acheter le cadeau d'anniversaire de Lily aussi. Sauf que ma maman devait me redire ce soir, mais elle m'a pas redit. Enfin elle me redira ce soir, mais j'aimerais bien l'acheter maintenant pendant que j'y suis. Donc je vais voir ce que je trouve. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà. Du coup en fait je pensais qu'il y avait encore des trucs jeux et tout pour enfants au casino, mais en fait rien, c'est juste pendant Noël, des trucs comme ça. Donc du coup je vais passer, je sais plus c'est quoi qui est ces trucs de jouets pour enfants, je me souviens plus. Du coup j'ai acheté des bananes, des poivrons, des courgettes, puis sinon j'ai pris un drap housse blanc parce que du coup j'avais pas de drap housse avec la housse de couette que j'ai acheté. Et puis j'ai repris des trucs de cours et ça coûte cher, genre reprendre des stylos, des surligneurs. J'ai pris des feuilles Bristol, il y avait moins 30% sur les feuilles ou les fiches Bristol. Je dis allez hop, j'en ai encore chez moi, mais je sais que je vais en avoir besoin, donc moins 30%, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est parti pour le truc de jouets. Bon là du coup c'est à la grande récré que je suis, mais y a, si jamais je trouve pas, il y a Star Jouet, je sais pas où, mais je connais pas trop du coup. La grande récré, je me dis je connaissais un peu plus. Bon bah voilà, je viens juste de me brûler une fesse, mais bon c'est pas grave. Donc en fait Ellie, elle voulait l'air de jeu, enfin ils appellent ça le square je crois. Une piscine à balles, c'était dans les trucs qu'elle voulait parce que ça allait avec des trucs qu'elle avait déjà. Du coup je lui ai pris l'air de jeu, hein. Ça coûte cher ces trucs, franchement les Playmobil, je me rappelle quand je l'ai acheté quoi, l'hôpital pédiatrique à Noël, le truc là il était à plus de 90€ ici quoi. Je sais plus si je l'avais payé ce prix là, mais c'est super cher. Et bon j'ai craqué, ok, j'étais pas obligée d'acheter un autre truc avec, mais j'ai pris ce truc là. En fait il y a les parents. Je sais pas si c'est les parents, non il doit avoir que la maman, peut-être que c'est un frère. Ouais c'est la maman et deux enfants et en gros ils ont des vélos et une petite charrette et genre mes parents ils font beaucoup de vélos. J'en faisais beaucoup aussi quand j'étais avec eux et on a une charrette, sauf une charrette où il y avait Lily dedans quand elle était petite. Bref j'ai trouvé ça cool, ils font beaucoup de vélos et il me fallait du papier cadeau parce que je n'en ai pas. Et celui-là, la Reine des Neiges, j'étais à 3€ je crois. Et ça devrait suffire pour ça. Et voilà, je me dis la Reine des Neiges, elle aime bien tout ça. Donc là, je vais rentrer chez moi, je sais pas quelle heure il est. Regardez ça sur mon téléphone parce qu'il faut absolument que je rentre pour monter ma vidéo qui doit être en ligne à 17h. Bah ça va, il est
15h30 quoi, que c'est chaud, le temps que je rentre, que je monte, que ça charge, mais bon j'espère que ça ira. Je crève de chaud, je voulais tourner une autre vidéo mais peut-être que je la tournerai mercredi matin finalement. Bref, je retourne à la maison et on se retrouve là-bas. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je vais vous montrer ce que j'ai eu du coup hier comme colis chez mes parents. Ah bah il y en a un qui est là. J'ai reçu la petite boîte Emma et Chloé, mais je sais pas si vous allez voir, ça change d'habitude. Désolée, il y a mes orteils là-bas. Donc trop chou la petite boîte, franchement j'ai trouvé ça adorable. Et du coup c'est Vadi X Emma et Chloé, donc voilà. Donc là c'est le petit mot qui dit que c'est bien la marque et tout ça. Et le petit collier, enfin c'est plutôt un sautoir, je vais vous montrer. Donc voilà, il est comme ça, je trouve trop mignon. Et voilà, c'est quoi, c'est assez long. Et je pense qu'on peut resserrer en haut, je sais pas trop. Parce que je sais pas si vous voyez, il y a des petits... je sais pas exactement comment ça marche là-haut. Enfin bref, vous voyez flou. Mais on dirait qu'il y a un système pour resserrer, mais je suis pas sûre du tout. En tout cas, il est tout mignon. Et du coup, de chez Undies, je sais même pas ce que j'en ai fait en fait. Mais de toute façon, je vous ai mis normalement sur Instagram... une photo du colis parce qu'il y a du coup un truc que j'ai laissé chez mes parents. J'ai ramené d'ailleurs la bouée ananas, je l'ai laissé chez mes parents aussi parce que du coup bah ici, d'ici là que je retourne à un truc pour me baigner, voilà. Et du coup dans le colis Undies ils ont mis une petite photo, donc là c'est moi, c'était pour un challenge Undies que j'ai lancé. Je sais pas si vous voyez l'encre a un peu coulé et du coup ça a un peu coulé sur un maillot de bain. Donc avec la... en fait il y avait la carte cadeau, il y avait... un petit donut en gros pour mettre les verres dans la piscine, un donut gonflable. Il y avait une petite glace comme ça, en fait c'est un petit truc pour faire des bulles, je trouvais trop chou. Et ensuite il y avait un maillot de bain, donc je vais vous montrer, je vais essayer de vous poser, ce sera peut-être plus simple. Voilà, vous êtes posé sur un pack de bière, super. Du coup c'est un maillot de bain comme ça, donc un peu la couleur du maillot de bain que j'ai acheté, mais bon c'est pas grave. J'aime beaucoup ce genre de couleur pour l'été. Donc une culotte comme ça qui se resserre sur les côtés. Et le haut, donc il faut que j'essaye tout ça. Le haut en fait c'est un haut bandeau un peu on va dire. Bandeau mais il y a quand même une armature et je trouve ça cool. En fait je suis à l'envers, je suis en train de me rendre compte. Je trouve ça cool, ouais, les armatures, parce que sinon franchement déjà même un bandeau avec armature je suis pas sûre que ça me tienne bien. Mais bref du coup il est comme ça et je le trouve trop chou. Et vous pouvez l'attacher au-dessus aussi bien sûr. Avec la petite corde, en fait ils m'ont envoyé ça parce qu'il y a une promo sur Undies. Je crois que c'est 16,95 le haut et le bas. Ça doit être un truc comme ça. Parce que sinon c'est pareil, c'est 9,95 et 14,95. Mais il y a une petite promo d'ailleurs, j'ai commandé hier du coup avec la carte cadeau qu'ils m'ont envoyé sur Undies. Il y avait moins 30% sur certains articles. Je voulais partager, si vous me suivez sur Snapchat vous avez dû le voir. Parce que du coup quand je publierai cette vidéo ce sera peut-être plus valable. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer ce maillot et du coup j'ai pu... Non c'est pas celui-là. J'ai pu échanger. Du coup j'ai pu échanger chez Undies de maillot de bain. Par contre du coup je suis allée au casino après, donc il m'a tout agrafé le sac. J'aime pas trop, c'est chiant. Mais le voilà, le haut, cette fois-ci en bonne taille. J'ai hésité entre le M et le L quand même. Mais j'ai regardé, en fait j'ai comparé avec le M était quand même plus grand. Donc je vais essayer, je vais voir. De toute façon elle m'a dit que je pouvais revenir le changer si ça allait pas. Donc je vais essayer tout ça. Enfin j'essaierai après. Parce que pour l'instant, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je sais plus. Voilà, j'ai fait signer mes sœurs les autographes. Mais sachez que les prochains coups, je ne les ferai pas forcément signer. Parce que là, il y a de la chance que quand je répondais aux lettres, le lendemain... ou le surlendemain, non le lendemain j'allais chez mes parents, mais ce sera pas comme ça tout le temps, donc voilà, au moins vous êtes prévenus. Et j'allais dire un autre truc, oui du coup j'ai posté toutes les lettres, donc là il m'en reste deux que j'ai pas postées, donc une où il y avait les autographes de mes soeurs, j'ai pas encore fait la lettre, et une dernière tout simplement parce que je n'avais plus d'enveloppe. Voilà, c'est ça que j'ai oublié d'acheter, c'est une enveloppe. Je voulais aussi regarder les produits pour du coup ma plaque, je retiens jamais le nom, vitrocéramique c'est. Je confonds toujours avec l'autre truc. J'ai pas regardé, j'ai oublié, donc c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il faudra refaire quelques petites courses bientôt. On verra. Voilà, voilà, il va falloir que je range. Là, il y a les légumes qui sont là. Et il faudra que j'emballe aussi les cadeaux pour Lily. Mais bon, ça, c'est pas la priorité. Et j'ai pas mal de médicaments à rechercher pour mon stage et à noter dans mon petit répertoire. Et tout à l'heure, j'irai me doucher, donc en même temps, j'essaierai les maillots de bain.
Et il y a mon copain qui m'a proposé ciné ou resto ce soir. On peut pas faire les deux parce que je prends très tôt demain matin. Donc du coup je sais pas, il m'a demandé de voir ce que je préférais, je sais pas. Parce qu'en même temps j'ai bien envie de manger un resto parce qu'on mange bien. Que ça évite de faire manger. Un film c'est cool aussi, mais j'ai peur de m'endormir devant le film parce que je suis crevée vraiment. Heureusement j'ai plus que demain de matin, après je suis de soir donc voilà. Moi je vous retrouve, il est 19h, enfin non il est pas 19h, il est 7h moins le quart. Du coup même si on mange pas à la maison ce soir, il faut que je fasse à manger. Donc l'aubergine est en train de s'abîmer, du coup je vais me faire aubergine, un steak 5%. Et on me demande toujours c'est quoi 5%, en fait c'est le taux de matière grasse. Donc généralement ceux que vous achetez basiques quoi, qui sont les moins chers et tout, c'est des 15%. Et du coup mon copain mange ça et moi je vais prendre des 5%. Je vais manger ça avec ça et des pâtes, voilà ça va être tout simple. Ça me saoule un peu de me faire à manger juste pour... enfin de me faire à manger et de pas pouvoir manger tout de suite, mais bon. Faut bien que je mange demain. Bon c'est un petit peu le bazar mais je suis en train de me rendre compte qu'il nous reste pas beaucoup de pâtes à part des spaghettis. Mais bon moi ça me saoule les spaghettis. Je pense que là je vais finir le paquet de macaronis. Enfin je sais même pas si ça fait beaucoup ou pas, j'arrive jamais à me rendre compte. Il faudra un jour que je prenne le temps de cuisiner mon quinoa là aussi. Ce serait peut-être temps. Bon ça y est mon tupperware pour demain après. Bon par contre hein, ça faisait beaucoup trop de pâtes. En fait il y avait trop d'aubergines, du coup j'ai fait plus de toutes les aubergines et pas toutes les pâtes. Du coup il me reste tout ça de pâtes. Donc je laisserai refroidir et puis je mettrai dans le frigo après hein, parce que je vais pas mettre dans le frigo. Donc voilà je vais vous laisser pour ce vlog, je vous fais de très gros bisous. Demain je vlog pas mais je vous dis quand même à demain. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment mettre des talons. Tu me fatigues. Non mais je vais prendre une veste. Non. Je sais pas, elle est comme ça. En non. Arrête. J'aime les pieds. C'est bizarre. Oui.